Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera ma première vidéo haul Beauty Bay. Donc mon chéri m'a fait des plaisirs sur Beauty Bay, donc j'ai créé un compte Beauty Bay. Et franchement, Beauty Bay, c'est pas la première et la dernière fois que je commanderai parce que c'est trop bien ce site. Franchement, les palettes que mon chéri m'a offert, ils sont trop bien. Donc oui, j'ai dit palettes, j'ai un peu, c'est pas grave. Ils sont trop belles, le site est trop bien suivi, tu commandes, ils te disent vous avez bien commandé, c'est bien suivi, ils te disent quand le colis va bientôt arriver chez toi, quand il est dans la boîte à lettres. Franchement, Beauty Bay, parfait. C'est bien protégé aussi, je trouve, les produits sont bien protégés. Malheureusement, j'ai eu un fard de cassé dans une palette, c'est pas grave, je l'ai réparé. Et il y aura aussi un petit haul Sephora. Avant le confinement, 2 jours avant le confinement, sans que je le sache, j'étais à Sephora, m'a acheté un produit, vu qu'il me restait de l'argent dans une carte cadeau que j'ai eue à mon anniversaire. Donc du coup, j'ai profité, donc du coup, elle est revenue gratuite pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc je suis contente d'avoir fait cette commande-là chez Beauty Bay. Je suis ravie, franchement, trop contente. Donc, c'est parti, let's go. Donc, pour commencer, à Sephora, j'ai commandé cette palette-là. Je vous ai fait les swatchs, justement. Et elle est trop belle. Je ne sais pas si je vous montre bien. Je vais bien vous montrer, mais franchement, elle est magnifique. Les swatchs. Elle est comme ceci. Donc, c'est une palette Too Faced. Il y en a 4. J'en ai 2. Il m'en manque 2. Et je veux les 2. Voilà. Et du coup, elle va rejoindre sa petite copine. Parce que j'avais aussi acheté celle-là pour la journée Gold. Donc, c'est parfait. J'ai les 2. Je suis contente. Voilà. Et j'achèterai les 2. Mais quand... Sephora va ouvrir parce que là, actuellement, quand je filme, nous sommes en confinement. Donc, j'attends que Sephora réouvre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu commandes pas sur le site? Parce que je préfère aller en magasin, c'est mieux. Donc, voilà. On va commencer par la petite commande Beauty Bay, mais j'étais contente. En plus, j'ai passé un code promo, donc j'en ai eu pour... Quoi, j'en ai eu? Mon mari en a eu pour 44 € au lieu de 59 € parce que j'ai eu passer un code promo, je me rappelle plus de quoi. Donc voilà le déni. Donc c'est parti, je me suis pris une petite palette, j'ai pris que du Beauty Bay et franchement le mois prochain c'est sûr que je vais recommander sur Beauty Bay. Je vous ai dit mes résolutions de l'année, révolution non plus. Mais c'est de tester des nouveaux produits parce que j'étais souvent à fond, souvent, beaucoup, sur le make-up révolution. Et j'ai dit que je voulais tester Beauty Bay, chose faite. J'ai fait, mon mari a fait une commande Beauty Bay. Je compte faire une commande dans l'année Colourpop parce que j'entends beaucoup parler du bien et ça me donne trop envie. Je veux toutes les palettes Colourpop qui sont trop belles. Et Morphe aussi, je veux essayer. Donc, c'est parti. Pour la première palette, je me suis commandé... Ah, faut que j'arrête de dire, je me suis commandé. Vous avez compris, quoi. Cette palette-là, qui est trop belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et elle est bien colorée, franchement. Je ne l'ai pas encore testée, j'attends. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Dites-moi si vous êtes intéressés. Voilà. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Magnifique. Franchement, voilà. Je vais vous faire des swatchs quand même. Moi, franchement, c'est les irisés qui me font de l'œil. Donc, l'orange, là. J'ai attendu faire la vidéo pour swatcher, je vous le dis. De toute façon, je vous ai mis ça sur mon Instagram. Alors, allez voir sur mon Instagram. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ou en dessous, vous allez voir. Et à l'heure où je filme cette vidéo-là, nous sommes en avril.
et vous allez avoir cette vidéo là en mai. Donc je m'avance car je reprends le boulot en mai. Donc il faut que m'avance dans les vidéos. Je sais pas comment ça sera mon organisation une fois que j'aurai repris le boulot. Donc j'arrête de blabader et je vous fais les swatchs. Je peux vous dire que c'est magnifique. C'est crémeux quand tu mets tes doigts dedans. C'est magique. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Je vais quand même vous swatcher des mats. Donc évidemment, moi qui adore le violet, je vais vous swatcher le violet là et le rose. Quoi, le rose? Le rouge. Et un foncé, là, celui-là. Waouh. Trop beau. Je vais plus avoir de place. Pour un mat. Oh, pour un mat. Pour des mats. Ils sont vraiment magnifiques. J'espère que vous voyez bien. Ils sont là. Ils sont trop bien pigmentés. Franchement, je suis étonnée pour la qualité de la palette. Donc moi, je ne vais pas vous dire au prix que mon mari les a eus, parce que vu qu'on a eu un... J'ai essayé de choper un code promo. Donc, sans code promo, cette palette-là coûte 18 euros. Bah, franchement, pour 18 euros, je suis choquée. Elle est magnifique. Je suis ravie. Ensuite, il m'a pris celle-ci. Elle me faisait trop de l'œil, mais trop de l'œil. Le packaging, je vais le garder. Je sais, je suis ce genre de fille qui garde les packaging. Et c'est celle-ci qui a été cassée. Ah, faut pas que je salie. C'est cette palette-là qui a eu un fard de cassé. Je vais bien m'essuyer les mains parce que je vais dégueulasser ma palette. Donc, c'est cette palette-là qui a été cassée, mais j'ai réussi à la réparer. Mais je ne vais pas trop vous pencher la palette. Je vais essayer, mais j'ai peur que ça tombe. Donc, voilà. Je vais me lever, je vais vous montrer. C'est ce fard-là qui a été cassé. Donc, voilà. Franchement, elle est magnifique. Vraiment, vraiment. Trop belle. Je vous conseille ce site. Voilà. J'espère que je cadre bien, parce que je vois pas. Voilà. Et la dernière palette qui me faisait trop de l'œil, franchement, je voyais sur Internet, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, je sais plus comment elle s'appelle, Gwen. Ouais, c'est ça, Gwen. Où elle faisait un make-up. Il était trop beau, ça m'a fait craquer. Et ouais, du coup, je me suis dit, je veux celle-là. Et du coup, mon homme me l'a pris. C'est la dernière palette Beauty Bay. Elle est trop belle. Franchement, et sans prix, sans code promo, elle coûte 23 euros. Les deux autres coûtent 18 euros. Et franchement, trop bien. Donc moi, mon mari avec le code promo a payé cette palette-là 18 euros. Et les deux autres, 13 euros avec le code promo. Ça vaut trop le coup. Franchement, cette palette, si je l'ai vue, franchement, mon mari fait, mais t'es folle, toi. J'étais en extase devant, je l'ai ouvert, j'ai fait, elle est trop belle, elle est trop belle. Je faisais dire que ça. Non, mais c'est vrai que elle est trop belle, quoi. Je vous la montre. Elle est trop belle, franchement, non, mais elle est magnifique. Je vais faire des swatchs parce que je me suis retenue jusqu'à ici. Moi, c'est les jaunes là, les jaunes pétantes là. Le jaune pétant là. Celui-ci là, il me donne trop envie. Le jaune là, il me donne trop envie. Donc, ces couleurs là, il me donne envie. Ces couleurs là, il me donne envie. Celui-là, il me donne envie. Celui-ci, pareil. Franchement, j'ai des belles couleurs de palette nude. Mais là, franchement, c'est une des palettes nude la plus belle que j'ai dans ma collection. Franchement, je suis ravie. Donc du coup, je compte faire ma collection de toutes les palettes Beauty Bay maintenant. La colorée, les non colorées, tout. Je veux tout Beauty Bay. Parce que c'est trop joli. Donc on va swatcher. Waouh.
celui-là. Waouh, oh, ça peut faire joli les deux ensemble. Trop joli. Et celle-ci. Waouh. Que je la fasse pas tomber. Allez, c'est parti. Waouh. Waouh. Je vais vous en refaire une autre quand même. Une petite dernière. Allez, une nude quand même. Parce que j'ai pas mis de nude. Allez, celle-ci. Ici. Et un nude mat. On va prendre celui-là. On va le mettre ici. Voilà, les swatchs. Vraiment, c'est trop beau. Trop, trop beau. Magnifique. Franchement, c'est sûr, je vais vous faire un make-up avec. Je vous le dis, je vais vous faire un make-up avec cette palette. C'est sûr, elle est magnifique. Trop belle. Je suis ravie. Je suis trop contente. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo haul Beauty Bay. Dites-moi vous si vous avez déjà testé la marque Beauty Bay. Si vous avez envie de la tester. Si vous êtes en train d'hésiter. Moi, je vous dis, n'hésitez même pas. Foncez parce que il y a tout. Il n'y a pas qu'une marque. Il n'y a pas que la marque Beauty Bay. Il y a du Makeup Revolution. Il y a du BH Cosmetics, si je ne me trompe pas. Toutes ces marques-là, faut que je vais déjà commander toutes les palettes de Beauty Bay dans les mois et l'année à venir. Après, j'aimerais commander une qui me fait trop de l'œil. Je ne me rappelle plus la marque. J'aimerais aussi, vu que maintenant j'adore cette marque Beauty Bay, je vais commander, je pense, du Jeffree Star. Là, ça me fait trop de l'œil. La palette violette du Jeffree Star, la colorée. Bref, j'ai essayé aussi de vous faire une vidéo wishlist. Comme ça, vous allez voir ce qui me donne envie. Je vais arrêter de blablater, j'ai beaucoup trop blablaté dans cette vidéo. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai porté comme rouge à lèvres. Donc, j'ai mis ce rouge-là de L'Oréal. Donc, c'est une encre à lèvres de chez L'Oréal, qui est trop belle. Je vais peut-être vous dire la teinte quand même. La teinte, c'est la teinte 115. Et franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, les encres à lèvres, trop beau. Et je vais vous montrer la palette avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. C'est celle-ci de chez Anastasia Beverly's. Voilà. Voilà la palette. Donc, je me suis servie du rouge pour mettre en dessous de l'œil. Et je me suis servie de ces deux couleurs-là. Celle-là et celle-ci. Voilà. Elle est un peu n'importe quoi cette vidéo, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, moi, je vous laisse là cette fois. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Prenez soin bien de vous. Et je vous dis à tout bientôt.